L'Odyssée, c'est la première console de tous les temps qui est sortie, quoi. Ça a l'air moche. Et pour toi, que c'était des mecs dans un laboratoire, ils avaient fait un muse avec un oscilloscope, et les mecs, ils avaient pris le concept, ils avaient vendu une console avec ça. Ouais. J'étais tout fou. Ah, oui, les machins collés sur l'écran, putain. Mais ils avaient pris ça avec la ColecoVision, non, un truc comme ça. La Vectrex, il y avait des trucs que tu plaquais contre l'écran, comme ça, ça mais ça, c'était la toute première, c'est vraiment la toute première. Il n'y avait pas de cinématique de fin dans ce jeu-là, par contre. Ouais, alors que t'avais football, et en fait, d'avoir une palette, t'en avais trois. Ah, ouais, t'as vu la trajectoire du pas et de la balle, quoi, t'as ici. Ouais, mais quand tu te remets dans le contexte... C'est sûr que comparé à ça, une PS5, c'est bien, quoi, j'avoue, c'est bien, quoi. Ouais, mais c'est parce qu'en voyant les images, je me ressens... Mais j'avais 4-5 ans, tu vois. En plus, tu branchais sur la prise antenne, c'est ça le top, quoi. Ouais. Sur la prise antenne, c'était... il fallait avoir une bonne télé qui avait un bon bouton de réglage, ouais. Tu sais, parce qu'il fallait régler le canal pour trouver le truc pour le jeu, quoi. Et si tu le réglais mal, t'avais la neige en plus, quoi. Ah, vache. Et en plus, tu pouvais pas le laisser trop longtemps parce que ça faisait des marques sur ta télé. Ah, ça c'est le vieux mythe des... Non, c'est pas un mythe. Tous les vieux rigolaient à l'époque parce que ça abîmait les télés, quoi. Moi, j'ai vu avec Pac-Man. Honnêtement, Pac-Man sur Atari 2600 a laissé des marques sur la télé de mes parents. C'est pas une blague. Les qui jouent au Pog, ils avaient la neige sur l'écran. Ils avaient mal réglé, quoi. Je sais pas s'il y a eu pire. Ah, oh putain, si, ça me fait penser. Elle cherche une console Seb. Les manettes, on dirait des courges que tu peux t'enfiler dans le truc. Ah oui, la gueule des trucs. Ouais, t'as vu les machins, quoi. C'est une espèce de bite avec un bouton en plein milieu, quoi. Téléscore, ouais, c'est Téléscore, c'est ça, quoi. Oh putain. C'est tendancieux quand même. Ah ben ça pouvait servir à maman, quand papa était pas là, ça pouvait lui servir, quoi, tu sais. Il y avait pas les vibrations encore, hein, dedans, je pense quand même. Oh putain, il y avait même un flingue. Oh les cons. Oh, c'est vrai. En 77, le téléscore, t'as lui aussi. Il y avait un flingue. Je rêve pas, il y avait un flingue, quoi. Oh les cons. T'imagines les mecs qui vendaient des mixeurs et des paniers à salade, quoi. Je vais chauffer en burger, je vais. Franchement, cette Seb, elle est pas collector, quoi, sérieux, quoi, c'est un truc de ouf. Maman, pourquoi tu vas piquer ma console? Ta gueule. On voit le reflet de son bordel, là, et tout, là. Avec son lustre. Il a un vieux lustre à la sienne, en plus, c'est pas, c'est old school, quoi. Il y avait au tout début de YouTube, en fait, quand il n'y avait pas les grosses chaînes françaises et tout, il y a un truc c'était, que je regardais, c'était console de merde. C'était un mec, vraiment, il faisait ça en amateur, il se filmait, il achetait toutes les consoles les plus pourries. Ah mais si, c'est Spyro le Dragon, il s'appelle. Ok. Console de merde. console de merde de cette série, elle est énorme. Quoi. Tu dis qu'il y a des Mega Drive ou des Super NES, alors que c'est des 8 bits, des émulations NES de merde, quoi. Ou alors le genre qui veut se faire passer pour des Wii. Les trucs. Et en fait, que tu fasses droite gauche, tu sais, que tu bouges la manette dans tous les sens, ça fait pareil en fait, quoi. Ça clique, quoi. C'était à l'époque de la sortie de la Wii, un truc comme ça. C'est la console de merde, c'est fabuleux, la console de merde. Lui, il est génial, quoi. Comme il se vénère sur les trucs, quoi. Des fois, il les balance, ces trucs, quoi. En regardant comment t'es foutu à l'intérieur. Comme c'est plastique, le truc. Avec le plastique de merde. Ouais, ça c'est celle qui veut se faire passer pour la Wii avec la manette, quoi. Encore. Et genre, la manette, il y a juste un contacteur dedans, tu la bouges, ça lui secoue le truc et ça clique, quoi. La Q. Et c'était même pas des gens 3D, hein. C'était des trucs de merde. Ah, c'était des jeux de merde. Ça faisait de la simili 3D. Putain, moi, lui, j'ai maté toutes ses vidéos à long, à large et à travers. Et il y a eu une période où il faisait, avant Noël, il faisait le calendrier de l'Aveman. Il prenait 30 jours, il achetait 30 merdes sur Wish ou des trucs comme ça, quoi. Et il faisait le calendrier de l'Aveman, quoi. Oh, putain, c'était énorme. Je sais pas si c'est de la vraie 3D ou si c'est de la fausse, je sais pas trop, quoi. Ouais, les consoles du Nigro. Les fameuses consoles du Nigro. Déjà, la gueule, rien que le nom du truc, quoi. Oh, attends, remonte. Matt, la console portable qui teste. Non, tout à fait. Remonte. À l'époque, il y avait les comment ça s'appelait, les trucs de Nintendo, là, les Game & Watch de Wish. Quand t'avais pas les moyens de te payer une Game & Watch, ta mère au supermarché, elle t'a acheté un truc qui ressemblait, quoi. Ça va, moi je trouve que c'est pas trop mal, ça va, la console de merde. Tu trouves un beau collectionneur qui a plein de rôles, là. Allez, Gary, on va être copain, Gary.
Chinook. Ah oui, il y a rien. Par contre, mes amis, je vais vous laisser. Ouais, pas de soucis, Karma. Merci d'être passé, c'était cool. En plus, en forme d'œuf, faut y aller quand même. Pour te dire, le truc, il n'y avait pas de gueule. Hein. Ça doit être la Kiyu, en fait, quoi. L'œuf de merde, là, que t'as à côté, là. Il y avait des trucs genre avec des manettes, des fausses manettes PlayStation avec 4 boutons. Alors qu'en fait, c'était une NES. C'était la simulation qui était bancale, quoi. Le plastique, mon dieu, quoi. Ouais, mais c'était pas celle en bleu et blanc. Ouais, c'est pas. C'est celle-là, non, c'est celle-là. Unigro là, Unigro, ça fait une. On dirait une PS3 un peu, quoi. Une PS3 Slim, mais en fait, c'est une NES, quoi. Le truc, c'est qu'il est en surprise, la cul. Un câble. C'est la fausse Wii. Ouais, moi, ma run, elle était folle des jeux sur le Minitel. C'était de fou, quoi. Et à tel point que tellement on y jouait, une fois, on avait gagné un Game Boy. Je te jure, on a gagné un Game Boy sur le Minitel, quoi. Le jeu à la con, quoi.